Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, franciául tanulókat. A mai francia óra kifejezetten egy érettségi témakör. La technologie et les inventions. De hát nyilván, mint minden nyelvóra, nem csak a vizsgákra készülőknek hasznos, hanem bárkinek, aki ezt a nyelvet tanulja, gyakorolni szeretné, egy kicsit felpesdíteni a szókincsét. Na nézzük, mit kell tudnunk erről a témáról. Je change en français, voilà, je vais dorénavant parler en français. La technologie, la science et la technologie. Je vais commencer par vocabulaire, donc les appareils que nous avons à la maison. Bien sûr, enfin, nous avons nos appareils comme par exemple le portable, nous avons un ordinateur, on peut avoir une tablette, d'accord? Mais la télévision est aussi un appareil, d'accord? Si on parle des appareils électroménagers, les appareils qui sont pour nous à la maison pour faire des tâches ménagères ou bien pour nous soigner. Alors, je vais écrire au tableau, d'accord? Donc, les appareils... Toujours l'écriture électroménager. C'est un mot assez long. Ça veut dire un háztartási berendezések. Ok? Alors, nous avons bien sûr un aspirateur. Pour nettoyer le tapis, d'accord? Un aspirateur. Passer l'aspirateur. Un lave-linge ou une machine à laver. Donc, les deux expressions peuvent être utilisés pour le même appareil, donc un lave-linge, une machine à laver. Si vous avez un lave-linge, vous avez peut-être aussi un sèche-linge. D'accord? Szárítógép. Et par exemple, les deux sont combinés dans un seul appareil. Ça existe aujourd'hui. Et c'est très pratique. D'accord? Un réfrigérateur, mais tout le monde sait, bon, je mets au tableau un réfrigérateur. On peut également dire un frigo. Ça, on dit apparemment en hongrois. Un four. Alors, si je veux préparer un gâteau, voilà, je fais la pâte, puis je mets tout ça au four. D'accord? Chute. Et nous avons un four à micro-ondes. Un four à micro-ondes. Onde, ça veut dire ça. D'accord? Onde. Ok, alors nous avons également, surtout aujourd'hui, beaucoup de gens, dans beaucoup de foyers, il y a un four à chaleur tournante. Un four à chaleur, c'est un E, tournante. Ça veut dire... Les keveréses chuteux. D'accord?
un four à chaleur tournante. C'est très important à connaître parce que dans beaucoup de foyers, il y a un four à chaleur tournante et les modes de préparation pour différents aliments sont indiqués basés sur le fait si vous avez un four traditionnel, conventionnel, disons, ou bien un four à chaleur tournante. Alors là, c'est différent parce que normalement, vous cuisez les choses pour beaucoup moins de temps. OK. Une machine à café, très importante pour moi. Une machine à café. Voilà. Ça, vous comprenez bien quand même. Alors, les choses pour nous soigner, un sèche-cheveux. Sèche-cheveux, hoi sari to. D'accord? Alors, j'ai pas beaucoup de place là. Bon, je vais écrire ici. Si c'est toujours les cheveux, on peut dire un lisseur. C'est quoi ça? C'est très important comme vocabulaire pour les femmes, pour les jeunes femmes, parce qu'elles aiment bien lisser leurs cheveux pour que les cheveux soient bien raides. D'accord? Un lisseur. Hoi vacharo. Un lisseur. Voilà. Si vous voulez bien couper les cheveux, surtout pour des hommes, vous pouvez avoir une tondeuse à cheveux. Une tondeuse. Une tondeuse. À cheveux. Parfois, on n'a pas de préposition. Un sèche-cheveux. Un sèche-linge. Parce que là, c'est un verbe et un nom. Mais là, par exemple, nous avons une préposition, une tondeuse à cheveux. D'accord? Et également, beaucoup de plus en plus de gens ont déjà une brosse à dents électrique. D'accord? Voilà, ça peut être très très utile d'avoir un brosse à dents électrique. D'accord. Il y a beaucoup d'autres machines, beaucoup d'autres appareils à la maison. Ce sont des exemples. Mais si vous voulez bien connaître le nom de tous les appareils, alors ça vaut la peine de chercher sur le website d'un magasin d'appareils électroniques. D'accord? Parce que là, vous pouvez découvrir beaucoup de vocabulaire très utile. OK, alors ce sont des mots de base, des appareils que nous pouvons avoir à la maison. Alors maintenant, regardons bien quelle est l'influence de la technologie sur notre vie d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, la technologie et les inventions technologiques facilite notre vie. Donc, par exemple, si nous avons une machine à café, c'est beaucoup plus facile à préparer un café. Si nous avons un lave-linge, un sèche-linge, voilà, il ne faut pas faire des efforts très physiques pour laver quelque chose. La technologie rend notre vie plus confortable, d'accord? Donc, je mets un sèche-linge à tourner et voilà, je ne dois pas mettre beaucoup de temps, je ne dois pas attendre beaucoup de temps pour que mes vêtements soient secs. La technologie nous offre plus de sécurité aussi. Nous pouvons également effectuer nos tâches en un rien de temps. D'accord? Donc, si vous pensez à l'aspirateur, lave-vaisselle, j'ai pas écrit un lave-vaisselle. C'est très important quand même. Un lave-vaisselle. OK.
Oh là là, mon stylo. Un lave-vaisselle, c'est une machine très importante parce que quand on veut faire la vaisselle, donc voilà, laver les assiettes, ça prend beaucoup de temps, mais si nous avons un lave-vaisselle, c'est beaucoup plus facile. On met des assiettes, des verres, des ustensiles dans cette machine et cette machine va faire la vaisselle au lieu de nous. En plus, quand on parle du portable, de l'ordinateur, ça permet que, enfin, ça nous permet une communication beaucoup plus effective. Donc, par exemple, la communication s'effectue même à grande distance, d'accord? Vous pouvez parler à votre, à vos amis, à vos parents, même s'ils habitent très loin, dans un autre pays, sur un autre continent, et voilà, ça rend possible la communication. Donc, en fait, les appareils technologiques visent à réduire l'effort humain. Voilà. Alors, comment est-ce que les inventions du XXe siècle ont changé notre vie? Quel est leur effet sur notre vie? Alors, par exemple, le téléphone. Avant, il fallait utiliser le courrier ou bien le télégramme. Donc, le courrier, c'est-à-dire il fallait écrire des lettres, aller à la poste et attendre quelques jours pour que notre lettre arrive. Voilà, ça a pris beaucoup de temps. Le téléphone a transformé les rapports sociaux. Donc, cette invention a complètement changé la façon dont on communique aujourd'hui, dont on communique à distance. L'avion. Cette invention a réduit les distances entre les gens. Ça a transformé le commerce et le logistique aussi. On peut voyager beaucoup plus vite, d'accord? Le lave-linge, machine à laver. Alors, c'est un des appareils électroménagers les plus présents dans les foyers avec l'aspirateur. Avant, on l'avait dans des circonstances assez pénibles parfois. Donc, on blanchissait, on lavait la linge, même parfois à l'eau froide. D'accord. Et alors, avec la machine à laver, les femmes ont désormais pu faire la lessive à la maison, à leur domicile et en peu de temps. D'accord? Donc le linge, laver le linge est devenu beaucoup plus simple. Ok, l'aspirateur. Un appareil électroménager qui est très 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 utile, qui a transformé la vie des femmes, des mères, des femmes de ménage parce que ce n'était plus nécessaire de nettoyer le sol avec les mains. Et c'est plus confortable, c'est beaucoup plus confortable, plus pratique qu'un simple balai. Et on peut même pas bien utiliser un balai, je sais plus, sur un tapis. D'accord? Donc il faut une machine qui va vraiment nettoyer de la poussière. Internet. Un réseau. C'est un phénomène technique, social, et technique et sociale de grande ampleur, de grande importance. C'est un réseau qui nous a permis d'entrer en contact beaucoup plus facilement, d'écrire des emails, faire des recherches beaucoup plus vite. Et donc l'Internet ouvre un réseau à des utilisateurs qui sont peu familiarisés avec l'informatique. Ok, le portable a aussi changé nos habitudes, bien que auparavant nous avions le téléphone. Mais si vous êtes à un examen, par exemple au baccalauréat, ou bien à un examen de langue, c'est une question typique. À quoi sert un portable? Qu'est-ce que tu peux faire sur ton portable? Question typique. Alors, j'énumère quelques activités. Alors, passer un appel, faire des appels, envoyer des SMS. Aujourd'hui, plutôt des messages sur Messenger. OK?
On peut, donc si nous avons un smartphone, et aujourd'hui tout le monde a un smartphone, on peut naviguer sur Internet. On peut utiliser différentes applications, d'accord? On peut consulter nos mails. Le smartphone peut remplacer quelques objets, par exemple un réveil ou bien un appareil photo. Sinon, il y a aussi la carte, le plan d'une ville. On peut télécharger Google Maps et on peut naviguer à l'aide de notre portable uniquement. Voilà. Ça sert à notre divertissement aussi, donc on peut écouter de la musique à n'importe quel moment. Et puis, on peut utiliser les réseaux sociaux sur notre portable. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec nos portables. Il y a quand même des inconvénients en ce qui concerne les inventions technologiques. Et bien sûr, vous pouvez peut-être déjà, vous avez déjà peut-être deviné, c'est l'environnement. Certains matériels technologiques polluent l'environnement. Par exemple, certains modèles de voitures avec une émission importante de CO2. CO2, c'est un dioxyde. Émission, c'est-à-dire ils émettent. Émission de CO2 dans l'air. En fait, la plupart des ordinateurs est non recyclable. Voilà. Et en fait, il y a une augmentation en nombre des machines plus performantes. C'est ce qui rend les humaines de plus en plus inutiles. Alors vraiment, il faut réfléchir. Est-ce que nous avons vraiment besoin de plus en plus de machines? Il faudrait quand même protéger les postes des gens. Il faut que les gens puissent travailler et gagner de l'argent. En fait, donc, il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'avantages à propos des inventions, des appareils technologiques. Il y a aussi des inconvénients. Dans cette époque moderne, nous ne pouvons pas vivre sans des appareils technologiques, donc ça ne vaut pas la peine d'essayer, même pas. Mais je pense que ça dépend de notre attitude, si on les utilise bien ou bien si on continue à polluer notre environnement. Aussi, il faut faire très attention avec les relations humaines, parce que c'est bien qu'on peut appeler nos parents. Mais est-ce que c'est bien de regarder toujours notre portable, même quand nous sommes entre amis, entre familles? Il faut vraiment avoir un contrôle de soi-même. Et si on utilise bien ces appareils, ils peuvent toujours être favorables dans notre vie. Sur ce point, je vous souhaite une bonne journée. Je vous encourage toujours avec votre apprentissage de français et bon courage avec le baccalauréat. Allez, au revoir!